Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter, ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël, un artisan l'a fabriqué, ce n'est pas un dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et, s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché. Et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire et ils en mangent la viande, mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes, il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Des yeux et ne voient pas. Des oreilles et n'entendent pas. Des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher. Leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font. Ceux qui mettent leur foi en elles. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, et elles disaient, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, les lectures nous confrontent à la profondeur de la miséricorde divine et à notre réponse face à l'appel de Dieu. La première lecture tirée du livre du prophète Osée nous plonge dans une période de grande infidélité d'Israël. Le peuple a érigé des rois sans consulter le Seigneur, s'est tourné vers des idoles et a oublié les commandements divins. Osée utilise des images frappantes pour décrire les conséquences de cette infidélité, ils ont semé du vent, ils récolteront la tempête. Cette situation nous interpelle directement. Combien de fois, dans notre propre vie, nous nous détournons de Dieu, en cherchant satisfaction et sécurité dans les choses matérielles,
dans les relations humaines ou dans notre propre volonté. Les idoles modernes ne sont pas des statues, mais peuvent être le pouvoir, l'argent, le succès ou même notre propre ego. Nous semons du vent lorsque nous plaçons notre confiance dans ces faux dieux, et la tempête de l'insatisfaction, de la peur et de la désolation s'ensuit inévitablement. Face à cette infidélité, la réaction de Dieu n'est pas la colère destructrice, mais la compassion profonde. Dans l'Évangile, Jésus incarne cette compassion. Lorsqu'il voit les foules, fatiguées et abattues, comme des brebis sans berger, son cœur est ému. La compassion de Jésus n'est pas une simple émotion passagère, mais une profonde identification avec la souffrance de l'autre, une volonté d'intervenir pour soulager et guérir. Jésus ne se contente pas de voir la misère humaine, il agit. Il guérit, il enseigne, il proclame la bonne nouvelle. Sa compassion est active, concrète. Cela nous pousse à réfléchir, comment réagissons-nous face à la souffrance autour de nous? Avons-nous un cœur ouvert et compatissant, prêt à agir pour soulager la douleur des autres, ou restons-nous indifférents, préoccupés par nos propres préoccupations? Jésus, voyant l'immensité de la tâche, appelle ses disciples à prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa moisson. Nous sommes ces ouvriers appelés à travailler dans la moisson du Seigneur. Chaque chrétien, par son baptême, est appelé à participer à cette mission de compassion et de proclamation de la bonne nouvelle. Cette mission peut sembler écrasante face à l'immensité des besoins du monde. Cependant, nous ne sommes pas seuls. Jésus nous assure de sa présence et de son soutien. La mission commence par la prière, par cette connexion profonde avec Dieu qui nous donne la force et le courage d'agir. Chers frères et sœurs, en ce jour, demandons à Dieu de nous aider à reconnaître nos propres infidélités et à nous tourner vers lui avec un cœur repentant. Que la compassion de Jésus transforme notre regard et notre cœur, nous rendant sensibles aux souffrances des autres et prêts à agir avec amour et miséricorde. Et enfin, répondons à l'appel à la mission avec joie et détermination, sachant que nous travaillons pour le royaume de Dieu, un royaume de paix, de justice et d'amour. Que le Seigneur nous bénisse et nous guide dans notre cheminement de foi, et que nous soyons des témoins vivants de sa miséricorde infinie. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui, reconnaissant nos faiblesses et nos infidélités. Nous nous détournons souvent de toi, cherchant des solutions dans ce monde au lieu de nous confier en ta divine providence. Pardonne-nous pour nos égarements et nos péchés. Seigneur Jésus, tu as montré une compassion infinie pour les foules fatiguées et abattues. Aide-nous à ouvrir nos cœurs à ta miséricorde, à être sensibles aux souffrances de nos frères et sœurs, et à agir avec amour et générosité. Donne-nous la force de suivre ton exemple, de guérir les cœurs brisés, de nourrir les affamés et de proclamer ta bonne nouvelle. Esprit Saint, remplis-nous de ta présence et de ta puissance. Guide-nous dans notre mission, inspire nos paroles et nos actions. Aide-nous à être des ouvriers fidèles dans la moisson du Seigneur, apportant paix, justice et amour dans ce monde. Seigneur, nous te prions pour que tu envoies plus d'ouvriers dans ta moisson. Que chaque chrétien réponde avec joie et détermination à l'appel à servir, et que nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta miséricorde. Nous te demandons tout cela, en union avec Marie, notre Mère, et tous les saints,
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.